Legacy Season, j'espère que vous allez tous super bien, en tout cas moi ça va tranquillou et on se retrouve aujourd'hui pour un petit glitch sur Call of Duty Black Ops 2. Donc c'est pas forcément un glitch très utile mais vous allez le voir, il peut quand même être bien fun avec vos amis. Donc en fait le principe est de prendre une insertion tactique, c'est vraiment l'élément indispensable pour réaliser ce glitch. Au passage ce glitch est réalisable sur toutes les maps. Donc en fait vous allez vous mettre à l'extrémité de la map, placez votre insertion tactique vraiment au bord le plus loin possible du bord de la map, enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et tout simplement lorsque vous allez commencer à tomber, vous allez tirer et vous allez maintenir le bouton R1 durant le temps de la killcam et lors de votre réapparition. Et normalement, si vous étiez bien à l'extrémité de la map, donc vraiment le plus loin possible au millimètre près, j'insiste bien sur le millimètre près, et ben normalement vous volerez dans les airs comme un petit lapin. Donc pour cet exemple, regardez, je viens de le réussir, je maintiens R1 enfoncé depuis ma chute jusqu'à ma réapparition, et là j'ai toujours R1 appuyé, et donc ça me permet de faire une petite chute assez comment dire, assez calme et assez inutile hein, on peut le dire. Donc là je vais réaliser donc sur la map Yémen je crois, et donc voilà, ça vous permet d'admirer les paysages, pourquoi pas faire des cinématiques s'il y a des éditeurs qui sont sur cette vidéo. Et puis voilà, c'était un petit glitch pour cette fin d'année 2012, j'espère que ça vous aura plu, à la prochaine, bye.